Bonjour à toutes et à tous, ici Madeleine Layolo sur Info Gironde pour les nouvelles de cette journée. Quel rebondissement dans l'enquête de la tuerie de Villegouge. La jeune responsable Aurore Huard de la section de recherche a conduit des interrogatoires. Avons-nous identifié de nouveaux suspects? Comment protéger nos citoyennes et citoyens? Nos investigatrices nous informent que le corps inconnu de la tuerie est bien un citoyen britannique. En attendant, nous retrouvons les hits musicaux de la semaine. Déhanchez-vous et n'hésitez pas à nous appeler. Monsieur Vanier, est-ce que le nom de Sophie Jansky vous dit quelque chose? Oui, je la connaissais, oui. Oui, en quelle qualité? C'est une amie. C'est une amie. Oui, une connaissance. Ok. Et vous, une connaissance, vous la connaissez juste un peu ou vous la connaissez bien? Comme ça. Comme ça. Sans plus, juste. Et dans quelles circonstances elle avait-vous rencontré? Que je l'ai rencontré il y a quelques années. Quelles circonstances, je ne sais plus trop. Faites un effort, c'est une information qui est très importante. Mais si vous n'êtes pas à l'aise à parler ici, vous vous inquiétez pas, je peux vous amener à la gendarmerie. Donc j'essaie de mettre un petit coup de pression. Oui, je vois ça. Je réfléchis. Tu vois qu'il a l'air de chercher. Non, ça fait très longtemps, je sais pas, une dizaine d'années, peut-être qu'on s'est rencontrés. Je sais pas, peut-être elle est venue dans mon cabinet, je pense que c'était ou quand j'étais en train de m'intéresser au Mentizer, et on s'est rencontrés au début de ma carrière. Et est-ce que vous lui avez parlé récemment? Oui, c'est possible. Oui, il est, je dirais, il y a une semaine, un mois peut-être, j'ai parlé avec elle, oui, c'est possible. Par rapport au magnétisme et aux ondes pour être décontracté et être en connexion avec la nature, je pense qu'on a parlé un peu de ça, mais ouais. Et en quelles circonstances vous êtes parlé? Est-ce que c'est vous qui l'avez appelé? Est-ce que c'est elle qui l'avait appelé? Est-ce que vous vous êtes rencontré? Décrivez-moi un peu cette dernière interaction. Non, c'était. Je pense que c'est elle qui m'a appelé parce que elle voulait parler un peu de se connecter, être calme, ouais, la sérénité. Je crois que c'était. Non, je pense que c'est elle qui m'a appelé. Il me semble bien. Ok. Et pourquoi vous à propos d'elle, qu'est-ce que c'est moi qui pose les questions. Donc, Monsieur Vanier, vous avez aussi, quelque chose qui n'a rien à voir, mais vous avez aussi reporté le vol de votre arme à feu? Oui, tout à fait, oui. En quelle époque ça s'est passé? C'était au début de cette année, en janvier. Ok, et vous l'arrangez où avant? C'est vrai que je la mettais dans une boîte mal fermée, en fait, je peux vous montrer où c'était. Donc, en fait... Donc tu vois, il vous amène, donc il y a une sorte de cour intérieure avec un appartement, et donc c'est une maison avec un étage, avec un cour au jardin, il vous fait rentrer, donc il y a encore un étage, vous êtes au rez-de-chaussée, là, la partie rez-de-chaussée, il y a une sorte de véranda, qui est donc un séjour véranda, et il dit, en fait, les cambrioleurs ont cassé la véranda, ils sont rentrés, et donc j'avais, donc il vous montre un coin, une sorte de meuble qui est pas verrouillé ou autre. Il dit, bah voilà, j'avais je la mettais dans une caisse à outils, en fait, pour faire que ce soit caché, mais effectivement, je l'avais pas démonté, et c'était pas fermé, cadenassé, comme j'aurais dû, quoi, et ça a été, voilà, dérobé, quoi. Ok. Et vous vous rendez compte que c'est un délit de pas maintenir une arme à feu déclarée dans un endroit qui est sécuritaire? Oui, on m'a fait comprendre quand j'ai porté à l'assurance et à la police la déclaration que c'était, j'aurais dû l'avoir, oui, c'est vrai. Monsieur Vanier,
Question supplémentaire, vos interactions avec Sophie Jansky, je reviens sur l'autre sujet. Est-ce qu'elles ont été uniquement par téléphone ou vous vous êtes vus à un moment, physiquement vous rencontrer? Non, ça faisait plusieurs mois qu'on s'était pas, qu'elle était pas venue au cabinet ou autre. Est-ce que quelle était la dernière fois? Essayez de vous souvenir et de donner des informations qui sont un peu précises. Je sais pas, peut-être vers mars, ça devait être mars, si je peux peut-être regarder, peut-être, j'ai dû noter dans mon carnet de rendez-vous, peut-être, si je retrouve, je pense que ça doit être mars. Ok, ben regardez. Donc bah, là, il vous ramène dans sa petite zone, sur un tiroir, il y a une sorte de carnet, puis hop, il te montre une date, elle est passée par là, quoi, telle date, elle est notée, quoi. Bon, il marche un peu les autres de mon tour, quoi, il montre, voilà. Ouais. Ok, donc est-ce que la date, elle correspond à la date à laquelle il a fait la déclaration du vol ou pas? Non, la déclaration du vol, c'était le 16 janvier, et là, le rendez-vous où elle est venue, c'était en mars, milieu mars, quoi. Ok. Donc c'était après. Et ouais. Est-ce que vous auriez vu Sophie Jansky au mois de janvier? Non, on s'était vu, je pense, vers Noël, enfin vers le décembre, parce que comme ça, mais pas en janvier. Okay. Pourquoi vous pensez que c'est elle qui a cassé, qui a volé mon arme? Et ça va, elle va bien? Et qu'est-ce que il lui parle quelque chose? Elle a pas fait quelque chose de... Monsieur Vanier, laisse-moi finir et puis ensuite on pourra parler. Dites-moi où vous étiez dans la nuit du 8 au 9 mai, la semaine dernière. J'étais ici avec en famille. Ok. Est-ce qu'il y a des témoins qui peuvent corroborer ça? Bah, ma famille. Ok. D'autres témoins? Non, parce qu'on a dormi et tout, il y avait personne, on n'a pas fait la fête ou quoi que ce soit. On était là et on a dormi là et voilà. Ok. Vous allez venir avec nous. On va vous amener à la gendarmerie. Et vous allez. Et pourquoi? De la gendarmerie, vous allez pouvoir appeler votre conjointe ou votre partenaire pour qu'elle vienne se présenter et qu'elle fasse une déposition. L'arme qui a été volée a été utilisée dans un homicide. Donc nous devons enquêter un peu plus. Comment ça? Un homicide. Vous savez ce que c'est? Oui, non, j'ai dit comment ça c'est pas bon, comment il y a pu avoir un homicide. Et Sophie, elle va bien, hein? Qu'est-ce que... Venez avec moi et je vous raconterai tout. Je peux pas... Monsieur Vanier, je vais être très honnête, je suis toujours très honnête. Vous êtes un suspect dans une enquête pour meurtre, soit vous venez avec moi maintenant, et de votre plein gré, soit je vous passe les menottes devant tous vos patients, et je vous emmène à la gendarmerie. Qu'est-ce que vous préférez? Non, mais je veux bien savoir, je peux aller prévenir ma femme qui est là, elle est à l'étage, je veux juste lui dire, parce que ma fille est récupérée à la crèche après. J'ai ma fille de 3 ans à récupérer après. Dites à votre conjointe de. Nous allons la voir. Vous allez lui dire, je vais rester avec vous. Et ensuite, vous allez nous accompagner à la gendarmerie. Quand votre conjointe aura récupéré votre enfant, elle vous rejoindra à la gendarmerie. Juste pour une déposition. Vous inquiétez pas, vous n'êtes pas en état d'arrestation. D'accord. Bah, donc tu l'accompagnes ou il part à l'étage? Non, je l'accompagne, oui. Je ne veux pas qu'il commence à détaler. Donc. Et je lui ai mis assez de pression pour qu'il se sente l'envie de détaler. Donc, Tu fais ça avec pression, donc ça met un petit jet alors. Ça, c'est un petit jet de. Bon, ça regarde de quoi? Ça dépend. Est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce qu'il va me dire quelque chose de plus? Parce que sinon, c'est juste pour le décor. Hein. Comme tu veux. Je verrai ce que ça en fait derrière. Si c'est de mettre de la pression pour qu'il ait un sentiment de trucs comme ça et d'appuyer, je pense qu'effectivement c'est un jet de sauvegarde, quoi. C'est une action autre que juste échanger ça, donc ça peut avoir un avantage si tu le fais, ça peut aussi avoir un désavantage, je pense qu'il se passe. Je pense que je lui ai bien mis la pression. Donc on est toujours pareil sur. Je pense que c'est le charisme encore. C'est l'intelligence, non? Si c'est le manipuler ou c'est le charisme? Comme tu veux, c'est toi qui décides.
Comment tu penses qu'Aurore a agi pour ce truc-là, quoi? Elle, c'était plus par rapport à l'intelligence qu'elle a, la manipulation, ouais, la propagande, des trucs comme ça, ou c'est elle plutôt a utilisé des charisme par rapport? Elle a utilisé des faits légaux. Elle lui a rappelé qu'il était déjà en infraction pour, par rapport à son vol. Donc c'est Et plus puis de l'intelligence, quoi. Donc plus, on va dire, de l'intelligence. Donc un petit G. Un petit G à 4 pour... Ah bah tu vois. Je réussis. Donc, ouais, tu vois qu'il a l'air stressé et tout, mais qu'il suit exactement tout ce que tu dis, quoi. Donc il dit, voilà, ma femme, elle est à l'étage. Je vais juste... Après, non, vous on va vous accompagner, ne vous inquiétez pas. Oui, bah, donc c'est pour ça que tu montes à... Vous... Donc en fait, mieux, ce que je vais faire, c'est que je vais l'accompagner et le lieutenant Messali, il va rester là parce qu'il ne veut pas abandonner non plus, puisqu'il y a, peut-être des patients dans sa salle d'attente, etc. etc. Donc il va rester au cabinet, puis moi je vais monter avec lui. Okay Donc, comment elle s'appelle? Elle s'appelle Jane Eckott Vanier. Ou donc, en tout cas, oui, quand il lui parle et qu'elle lui répond sur le fait que t'écoutes à la discussion, quoi. Elle a un accent. Ah oui, non, moi je suis là. Je sais pas que j'écoute à la discussion, c'est que littéralement je suis là, quoi. Il n'y a pas de messe basse, quoi. Ouais, et je parle anglais. Okay, il se parle en français et elle a un accent anglais quand elle répond et elle est d'accord, je vais chercher. Et puis elle te regarde vers toi aussi. Ok, je dois récupérer. Notre fille, et je viendrai par... Enfin, je vais peut-être pas l'amener, je vais peut-être la laisser la confier à quelqu'un, et je vous retrouve après, je viendrai. Pas de problème. Arrangez-vous comme vous pouvez. Mais venez quand même, hein. C'est important. Oui, bien sûr, je viendrai. La crèche va finir à 4 heures, donc je la récupère. Si je trouve quelqu'un pour garder, je vous mets avant. À 5 heures au plus tard, 5h30, je suis à votre poste. Ah non, ça va pas, là, nous, on finit à 3h de l'après-midi, hein. On va pouvoir mettre après l'accent sur les bordelais en même temps sur les stéréotypes. Mais je pense qu'on a déjà fait une blague comme ça dans une session d'avant. C'est pas grave. Nous avons tout le bon respect associé avec eux. Et puis donc je m'assure que Thomas Vanier continue à suivre mes directives, et puis oui, bah après vous montez et après vous allez à votre c'est ça. Quartier général. Alors forcément, c'est quand même pas terrible, vous êtes dans des locaux quand même un peu rafistolés et tout ça, quoi. Mais tant mieux, c'est comme ça, ça lui fait encore plus peur. Donc tu l'as entendu parler comme jamais. Et donc qu'est-ce que vous faites là, parce que là il est à vous mettez dans une salle, qu'est-ce que vous faites? On le met dans une salle. Pouvoir faire dans la loi sans ordre de trucs comme ça et tout, c'est quand même, c'est à la limite. S'il se rend compte de, ils peuvent dire qu'il n'a pas forcément. C'est vrai, l'arme dont il est le propriétaire a été utilisée pour un homicide. Pour l'instant, j'ai pas dit un mensonge. Donc c'est une cause probable. Ça s'appelle. Tu l'as convoqué. Cause probable. Mm-hmm. On va suivre la procédure par contre. Donc il faut qu'il y ait un témoin, il faut qu'il y ait donc il y a un certain nombre de choses à faire pour un interrogatoire. Mmh. Et donc on va faire un interrogatoire avec tiens, je demande au capitaine Brochard, c'est mon Colombo local, capitaine Brochard. Donc c'est un gars qui parle, c'est un gars qui volubile. Donc, on va aller faire son interrogatoire. Alors, je ne sais pas si tu veux faire l'interrogatoire en... Est-ce que tu veux faire l'interrogatoire en roleplay ou je te dis tous les aspects et puis non, tu... l'idée, c'est plus d'avancer. Donc, on va faire comme d'accord. ça, je pense. Donc, on regarde de temps en temps les trucs et puis... Il y a un certain nombre de choses que j'essaie d'établir pendant l'interrogatoire. Premièrement, son rapport avec Sophie Niansky. À quel point ils étaient amis, pourquoi ils s'appelaient, pourquoi est-ce qu'il s'est la dernière fois qu'ils se voyaient, etc., etc. Est-ce que c'était une patiente parce qu'il était trop c'était pas certain ce qu'il a dit, c'était pas sûr. Donc établir un rapport, un aspect. Donc ça c'est le premier aspect. La deuxième, c'est retracer les quelques derniers jours. Donc du 8 mai. Par exemple, du 5, ce qu'il a fait du 5 au 8 mai, parce que c'est lui qui était impliqué aussi. Établir
à quasiment à l'heure près, quoi, ce qu'il a fait dans ces 3 dernières journées. Et il doit faire une déposition, parce que c'est légal. Et puis quand son épouse arrivera, ben, il faudra qu'elle, on la prendra à part, on lui fera faire exactement la même déposition, puis juste les faire signer. Et puis donc n'importe quel détail qu'il pourrait donner par rapport à ce Vignanski, on prend, pour faire simple. Mais en tout moment, on l'accuse de rien. On lui dit juste, vous nous aidez à coopérer dans ce truc. Et ensuite, si tu veux, ce qu'on pourra faire en roleplay, c'est quand je vais répondre à sa question, est-ce que Sophie va bien? Ok? Donc, on fait comme ça? Très bien. Donc ça va être un jet donc de bagou. C'est en fait tu utilises ta ressource, en fait c'est ton métier, c'est pas une menace ou quoi que ce soit. Alors, j'ai un D8 en bagou. J'ai fait 6, donc je suis bon. Voilà. Très bien. Et tu consommes pas ta ressource, donc c'est nickel, et ça crée pas de stress ou autre. Donc tu auras ça à disposition sur le fait effectivement quand est-ce qu'il l'a vu, leur relation, donc Est-ce qu'ils étaient proches ou est-ce que c'était vraiment une ancienne patiente avec qui il avait gardé contact Ouais, c'était ça. C'est la description, c'est de ce qu'il en sort. C'est c'est pas une vraie amie, c'est pas une patiente X. C'est quelqu'un que tu peux avoir plus d'affinité. Donc des fois échanger un peu en dehors, un truc comme Ok. ça. Mais ça restait surtout centré autour effectivement de le magnétisme, la connexion aux énergies et à tout aspect-là, quoi. Ok, et ce que j'aimerais essayer aussi de comprendre de lui, est-ce qu'à n'importe quel moment avant le mois de janvier, il a dit à Sophie qu'il avait une arme, qu'il avait sa propre arme? Est-ce qu'il se souvient qu'il aurait mentionné ce fait? Peut-être parce qu'il parlerait de la défense, de l'autodéfense, ou je sais pas, n'importe quelle raison. Donc ça, par rapport à ça, oui, en fait, vu que ça fait 10 ans qu'ils se côtoient, en fait, il faisait du tir sportif à une époque, Ah, d'accord. en club à Bordeaux, et oui, c'était. Et donc, est-ce que, avant qu'on finisse, est-ce que son épouse arrive? Est-ce qu'elle Oui, corrobore le truc? Une fois de plus, donc. il n'est pas là quand on l'interroge à elle, quoi. Ouais, donc là tu vas me refaire un deuxième jet de bagou pour Tu elle veux vraiment que je aussi. les puisse, cette ressource, hein? Allez, je fais Il faut bien 4. bosser un peu quand même. Il faut bien Voilà, bosser. 4. Nickel. Donc c'est-à-dire que tu vas pas consommer, donc tout passe bien. Donc elle corrobore les mêmes informations. Ouais. Est-ce qu'elle connaissait Sophie Yansky? Ou est-ce que c'était juste une patiente de son époux? Est-ce qu'elle avait une relation en tant que telle ou pas? Donc oui, elle se, enfin, elle s'échangeait aussi. En fait, elle avait un contact qui passait bien. Tu vois qu'elle a une voix, telle la Jane Birkin, donc une voix très douce. Elle dit oui, c'était une personne, pas une amie ou autre, mais une connaissance qu'on pouvait voir aussi ponctuellement en dehors. Ça passait bien. Elle avait l'air des fois un peu triste, et donc je sais que j'ai voulu proposer plusieurs fois de l'amener à l'église avec moi, mais c'est pas quelque chose qui l'a intéressé, quoi. Ok. D'ailleurs, pardon, elle dit pas l'église, elle dit le temple, parce qu'elle est anglaise, et donc elle est anglicaine, donc c'est la paroisse. Et c'est quand la dernière fois qu'elles se sont vues? Est-ce que ça corrobore ce que lui raconte? En gros, est-ce que je Ouais, détecte une ça faille corrobore. dans leur témoignage coordonné? Non. Ok. D'ailleurs, tu peux noter que c'est même plutôt très proche. Lors C'est même de, trop proche. Limite fait exprès, quoi. tu sais pas, mais en tout cas, c'est très proche. C'est très proche. Est-ce que de quel coin de l'Angleterre? Je te demande comme ça. Tu sais, comme si je posais une question un peu annexe pour dédramatiser la situation. Je te demande de quel coin de l'Angleterre elle vient. De Londres. De Londres. Ok. Est-ce qu'elle connaît un Thomas Easton? Est-ce que ce nom lui dit quelque chose? Non. Est-ce qu'elle ment? Faut faire un jet pour ça. Donc ça, c'est la sauvegarde. Je pense que c'est, enfin, vu comment elle parle, je pense que c'est du charisme. Non, il y a marqué sagesse. Pour détecter le mensonge, en face de mauvaise déduction. Oui, pardon. Tout à fait. Attends, ouais. Sagesse. Allez!
Un des 20? Je fais un! Est-ce que un, c'est une réussite critique du coup? Puisqu'il faut faire en dessous? C'est une bonne t'as pas question, le droit de j'aurais le dit que dire. non. Non, Pour moi, c'est probablement un ou pas. deux, c'est les échecs. Mais non, Mais puisqu'il faut faire je en vais dessous. vérifier quand même. Mais non, il faut faire en Bah oui, dessous c'est de pour ça. Un, 60. ça devrait être un critique en fait. Ouais, mais tu vois, j'ai un doute sur la. Attends. C'est pas grave, on s'en fout. J'étais juste embêté. Un sur. Je réussis, largement. Ouais. Donc, Il allait me dire non, elle c'est une ment pas. sauvegarde ce que tu as Puis voilà. fait. Non, t'as pas l'impression Non. qu'elle ment. Tu penses qu'elle. C'était quoi ta question précisément? Est-ce qu'elle connaît un Thomas Istan? Ah oui, et donc tu penses qu'elle a, enfin, tu es sûr qu'elle a menti, quoi. C'est très physique, est-ce qu'elle a se dit, par rapport, elle a essayé de hyper bien contrôler comparé au reste de sa discussion et tout ça, et t'as peut-être capté, je sais pas, soit un sourcillement de front ou une veine qui est apparue d'un coup ou autre, et oui, tu penses que oui, elle te ment. Ok. Madame Vanier, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je suis gendarme après tout, mais j'ai une formation de psychologue et je tenais à vous dire que j'ai été entraîné à détecter les gens qui mentent et j'ai la forte impression que vous me mentez là maintenant. Donc je vais vous reposer la question. Ne vous sentez pas inconfortable. Si vous connaissez ce Thomas Assistant, ça nous aiderait à progresser dans l'enquête et à retrouver Sophie Yanski. Ensuite, si vous me dites non, je vous croirai, mais sachez que nous allons faire des vérifications. Et si malheureusement nous trouvons autre chose, ce qui va se passer, c'est que vous allez devenir suspect. Et c'est jamais pratique d'être suspect dans une enquête pour homicide. Donc je vous repose la question de manière très gentiment. Madame Vanier, est-ce que vous connaissez un Thomas Easton? Et là, je la regarde, je plante mes yeux droit dans les siens. Cette espèce de petite brunette hargneuse que je suis, avec mon accent tout bizarre, et j'attends de voir comment elle réagit. Donc elle te refait, elle fait non, mais tu sens que il y a quelque chose derrière, quoi. Bon. Merci. Donc, donc tout ça, il faut qu'elle témoigne, hein, donc il faut qu'elle signe. Donc j'écris aussi que, noir sur blanc, qu'elle ne connaît pas Thomas Sistan. Ok, donc je la fais Bah, signer. t'es factuel, c'est sa réponse. T'écris qu'effectivement sa réponse, c'est-à-dire Oui, qu'elle ne c'est connaît ça. pas. J'écris que la question a été posée et qu'elle déclare sur l'honneur qu'elle ne connaît pas de Thomas Sistan. C'est ça, ouais, exactement. D'accord. Ok, bon, donc on fait ça. Et donc la dernière scène, c'est qu'en fait, du coup, je les ai tous les deux. Bon, alors, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Comme je vous dis, il y a deux événements qui sont totalement décorrélés. Le premier événement, c'est que le pistolet a été utilisé dans le cadre dans une enquête d'homicide. Et l'autre événement, c'est donc votre amie Sophie Yanski a disparu, malheureusement. Ses voisins sont sans nouvelles d'elle depuis plusieurs jours, et elle a laissé un mot chez elle. Qui ne laissait présager rien de bon. Donc nous sommes obligés de faire, nous faisons une enquête pour la retrouver. Est-ce que vous auriez la moindre idée de où elle pourrait se trouver maintenant? Ben non, mais c'est inquiétant ce que vous dites. Donc, si on a la moindre information, on vous le communiquera, il n'y a aucun problème. Ben, je vous remercie. Je vais vous raccompagner dehors. Donc je les raccompagne dehors. Et je les remercie d'être venus et je leur dis de rester à la disposition de la gendarmerie s'il y a des nouveaux événements aussi, on les préviendra quand même, puisque c'est une connaissance. Puisque Sophie, c'est une connaissance. Vous laissez partir comme ça. Donc ils partent main dans la main, très proches comme un jeune petit couple amoureux, quoi. Ben écoute, on n'a aucune preuve tangible. Bien sûr. On n'a aucune preuve tangible. Moi, je pense qu'ils sont liés, mais ensuite, c'est tant qu'on n'a pas de preuves supplémentaires, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire. Et dans le cadre de la loi, on n'a aucune preuve qui nous permettrait de les mettre sur écoute ou, tu sais, de faire quelque chose qui nous permettrait de les surveiller. En revanche, donc dès qu'ils sont partis, je vais faire un peu de paperasse et donc je vais faire deux demandes supplémentaires. La première, c'est tout ce qui est relevé d'identité, casier judiciaire de Thomas Vanier. Et la deuxième, Je note donc tout ça. dédiée à nos amis anglais. Donc pareil, dédiée
dossier d'identité, le casier judiciaire de Jane Aycott, Vanny, et qu'ils essayent de trouver si elle a une relation avec Thomas Istan, si elle a été, si dans son entourage il y a eu un Thomas Istan, en lui disant qu'on soupçonne qu'ils se connaissent. Ok, je note tout ça. Et celle-là, j'aimerais l'accélérer. Ah, donc là, il faut faire un petit jet de ressources. Ouais, de respect. Parce qu'en plus, c'est avec l'Angleterre, donc c'est... Que je vais faire un test de long, respect. Quoi. I want to do perfect. A test of respect. I'm respecting you. Please, do a test for respect. Respect. Donc, combien j'ai en respect? J'ai un des 10, parce que je suis très respectueuse de la procédure. Parfait. Et donc, je lance magnifiquement. Je fais un 4. Parfait. Donc là, on va faire le bilan de ce que les autres ont fait aussi, ce qu'ils ont obtenu. Alors, par rapport aux demandes, on va faire ça et après, je te dirai d'autres choses. Il y a deux documents qui sont arrivés dans un email qui était envoyé, qui est arrivé au commandant Tellier, et un qui est arrivé à la poste, enfin, par le courrier que vous avez à votre truc, qui a été remis, qui était intitulé à la personne en charge de l'enquête de la tuerie de... Vigouge. Un corbeau. Voilà. Alors, attends. Donc, tu me dis un truc qui s'appelle... Le temps que tu fais ça, je m'occupe de te chercher les infos sur ce qu'ils ont fait. Là. L'interroger la fille d'Elmain et la convocation, ça s'est fait. Et relever Thomas Easton, je donne des infos aussi, comme ça, en même temps. Ah oui, donc le mail de Nemo. Donc, c'est pas un corbeau, c'est un poisson. Bon, ça, je sais pas si j'avais arrivé à pouvoir le garder, mais dans le... Alors pendant que je vais quand même lire les trucs. Alors, dans le mail de Nemo, il y a de Nemo @personne.fr au Alain Tellier, donc tuerie. Je ne souhaite pas me faire connaître, mais je suis en possession d'éléments susceptibles d'orienter vos recherches. La mort de Mélissa Laplace est la clé de ce qui s'est passé à Villegouge. Cherchez-en d'autres, il y en a eu beaucoup. Je vous souhaite bon courage, vous en aurez besoin, Nemo. Alors, suite à ça... Je vais demander au TIC de tracer l'email, tout simplement, parce qu'on sait faire ça. Ça fait partie des choses qu'on sait faire dans la gendarmerie. Donc, okay, une nouvelle requête. Et celle-là, je la veux presto pronto demain matin quand on se réveille. Donc, un petit jet de ressources. Je vais la flinguer, cette ressource, à un moment ou à un autre. Alors, toujours avec mon D8 de bagou, hein. Ah non, c'est du respect ou du bagou? Du respect. C'est du respect. Avec mon D10 de respect. Allez, avec mon D10 de respect, je fais 5. Je garde ma ressource. Je suis plein de ressources. Aurore était plein de ressources. Bien. Donc ça, c'était le premier nouvel élément. Le deuxième nouvel élément, qui est une feuille de papier où il y a écrit dessus. Donc c'est une feuille de papier, on dirait du papier d'écolier à spirale. Là. Donc qui est quadrillé avec une marge à gauche. Sur lequel il y a écrit Exodus, E-X-O-D-U-S, 22-18, tu ne souffriras point que vive une sorcière. Wow. Y a-t-il un des membres de l'équipe, de notre équipe, qui est plus penché vers la religion? T'as Messali qui est un peu penché vers la religion, mais ce sera plutôt c'est pas la même religion. La partie musulman. Ouais, c'est pour ça que je pense pas. Donc je pensais plutôt entre. Je t'ai taquiné. Soit le Lios de Manjos. Donc non. Ni Blanchard. Non, Tellier sera un peu une base, mais pas vraiment quoi. Il n'y a pas vraiment qui soit versé plus que ça dans le. Ok. Mais bon, après, vous pouvez appeler. Vous avez différentes connaissances, hein, donc on peut toujours trouver des choses. Donc, action supplémentaire. Hein. Faire une recherche sur Exodus 22-18. Ou 22-18. Okay. Exodus. À quoi ça correspond? Tu peux aussi faire, vu que c'est une lettre manuscrite, tu peux aussi faire appel à graphologie. Un graphologie. Ouais. J'y ai pensé. On peut combiner les deux si tu veux. Alors, oui. Mais avant de faire graphologie, je vais. Alors, parce que. Jane Aycott Vanier, elle avait proposé
à Sophie Sophie. Yanski d'aller au temple. Ouais, Donc, tout à des fait. probablement religieuses. Je compare les écritures par rapport à, parce qu'elle a signé une déposition. Ou est-ce qu'elle a fait une déposition? Ça Ouais. match ou ça match pas du tout? Juste en regardant les deux, ça doit être Bah, tu veux visible en faire un fait. petit jet de... C'est quoi ça? C'est quelle ressource ça? Bon, c'est l'intelligence, non? Non, c'est de la torche, c'est une compétence. C'est à repérer, découvrir quelque chose, c'est compétence avec la ressource. Allez, utilisant de la C'est ton torche, métier là. j'ai un D8 en torche. Et je fais un magnifique 5 à nouveau. Bah, très bien, ça passait. C'est bah, t'as qu'une signature qui est faite et par rapport au 1, c'est pas suffisamment. Non, elle a écrit son nom et tout, hein. Ouais, Il mais y a c'est un pas peu plus de paperasse suffisamment de... que... Non, elle a pas écrit un texte, c'est pas suffisamment. Mais du coup, non, mais je donne une photocopie de cette... Quand on va l'envoyer, en l'envoyant au graphologue, aussi, je donne une photocopie de... des deux dépositions, Du texte, des deux ouais, vanniers, comme ok. ça, de monsieur et madame Vanier, comme ça, ils peuvent comparer. Peut-être qu'ils sont plus habitués que nous. Tout à fait, ok, je note. Eh bien, donc, tellement d'infos aujourd'hui. Ouais. Et donc, du coup, sur le débrief... Et non, attends, il reste des actions de ton côté ou... Parce que moi, il me reste une Oui, il y a action. des actions. Bah, il y a des actions de ton côté. De moi, de mon côté, non, mais de ton côté, il y avait le retour sur l'interview de la fille d'Allemand. Donc ça, je peux faire, te donner le retour. Et après, ce truc, c'était des demandes. Donc la convocation et les témoins, ça t'aura pas l'info de suite. Donc là, ce truc, je peux te faire le retour, c'est ça, ouais. Et donc, je voudrais lancer une requête sur... est-ce que je l'ai déjà demandé, ce qui s'est passé sur la mort de la fille Laplace? Non. Mais je contacte le lieutenant Da Silva, parce que c'est lui qui m'a parlé en premier. Ouais. Puisque lui, c'est la brigade de recherche de Libourne, c'est ça? C'est le SR de Libourne. Oui, celui de secteur, oui, tout à fait. Ça, tu peux l'appeler directement, il n'y a pas besoin de faire un G pour C'est l'instant, tu ça, qui me peux. trouve le dossier et qui vient de m'en parler demain matin. Ok. Ouais, Puisqu'il donc avait ça, l'air c'est déjà de aucun connaître, donc problème. j'imagine que ça ne doit pas être un gros truc pour lui. Ouais, S'il peut pas demain matin, demain après-midi, mais oui, demain dans la ça, il n'y a journée. aucun problème. Par contre, tu fais quand même un G de respect. Avec le lieutenant Da Silva? Ouais. Ok. Ouais. J'aime bien le lieutenant Da Silva. En respect, j'ai un D10 et je viens de faire 5 à nouveau. Tiens, je suis abonné au 5 Parfait, ce très soir. cool. Nickel. C'est lui que j'ai envoyé chez le psy, d'ailleurs. C'est Voilà. cohérent, c'est totalement cohérent. Donc, pour le débrief. Ah non, tu me dis Ouais. la fille. Donc, vas-y, fais-moi le résumé de la fille machin, et puis ensuite on fait le débrief. Tu me fais un jet de... Ah, t'as pas l'affiche de... Comment il s'appelait? C'est Brochard Si, si, Joss. je l'ai. Si t'as Donc, leur tu veux. fiche pour faire un jet de ressources sur celui qui a fait ça, sur lui de... Ouais. Donc, Un c'était Brochard, bagou? c'est ça Non, qu'on c'est, a je dit? pense. Ouais. Brochard et Joss. Tu peux choisir le meilleur des deux par rapport à... Et c'est un test de quoi? Cette interrogation, donc c'est bagou. Alors, Brochard, il a un bagou D8. Et le lieutenant Joss, elle a un D6. Bon, ben, ça va être le Brochard. Alors, dans un Ok. D8, ils font 10! Ah non, c'est mal bandé. Je me disais, c'est bizarre. Ben voilà, ok, très 3! bien. 3. Ok. Donc ce qu'il en ressort de l'entretien avec Marion Delma, c'était une confusion ou autre. En fait, ce qu'ils en ressortent, c'est qu'apparemment, elle n'a rien à voir avec ça, quoi. Ils sont convaincus. Soit elle s'était trompée ou comme cela, mais en tout cas ils sont convaincus qu'il n'y a pas d'embrouille particulière et c'est effectivement ses activités altermondialistes, c'est pour ça qu'elle les fréquentait pas trop parce que enfin ils s'étaient jamais vraiment sentis à partir à la famille quoi, ils étaient là, ils faisaient leur vie et point quoi, ils étaient un peu différents et leur mode de vie ne correspondait pas du tout à ce qu'elle porte donc voilà et le fait qu'ils aient parlé et tout, bah, c'est parce qu'elle est quand même échangé surtout avec sa mère. Mais voilà. Mais y a rien de plus chelou que Non, ça. des discussions, ils sont sûrs d'avoir bien fait le tour et voilà quoi. C'est juste une fille qui s'en rendait pas avec ses parents. Alors, chers auditeurs et auditrices, nous avons donc deux suspects qui se connaissent. Sophie Yanski qui a disparu, Thomas Vanier, le détenteur de l'arme du crime. Comment ces informations s'imbriquent? Avez-vous des idées? En tout cas, si vous voulez nous aider dans cette enquête,
N'hésitez pas à nous partager vos commentaires et suggestions. Retrouvez-nous sur la fréquence unduroliste.net, les réseaux sociaux. N'hésitez pas à jouer au jeu de rôle même avec un MJ, un PJ, c'est faisable. Amusez-vous bien et à très bientôt.